Et salut tout le monde, nous avons réussi à rentrer sur la gigantesque arène de PUBG. Alors je vais pas déranger les joueurs, là c'est la partie commence dans une petite minute. On va laisser jouer Chris qui a encore jamais joué à PUBG, que ce soit sur PC ou sur Xbox. Je sais même pas s'il a déjà joué en Battle Royale. Juste à côté on a Percy qui joue aussi, lui il est habitué. Donc on va voir un petit peu comment il se débrouille pour voir... Si la team PlayerOne.tv peut être représentée eh bien, dans un top 1 sur un événement comme la PGW, honnêtement j'en doute puisqu'il y a pas mal de gros joueurs qui sont présents. En fait le grand stand, je voulais filmer, les images défileront pendant qu'on parle et pendant que vous voyez le jeu aussi. Et en fait il y a des streamers professionnels qui sont là et qui tout simplement eh bien, affrontent les joueurs, les visiteurs de la Paris Games Week. Donc autant vous dire qu'il y a grave du niveau. Et je pense que ceux qui ont fait un top 1 ne sont pas très très nombreux. Ce qui est assez de rigolo en fait, c'est que ben, tout le monde a une webcam devant eux. Et du coup, on peut voir un peu les têtes des joueurs pour voir un petit peu la tension monter. Et voilà. Donc, ce que je vais faire aussi, c'est qu'on va regarder chez notre voisin qu'on ne connaît pas du tout. Alors bien sûr, hein, PUBG, si vous ne connaissiez pas encore, l'objectif, eh bien, c'est qu'il faut looter tout ce qu'on trouve pour avoir un arsenal tout de suite vachement plus intéressant et ensuite pour tuer tous ceux qu'on va croiser pour tout simplement finir premier. Bon, là on voit sur le grand écran derrière, ça doit être le gameplay d'un top player je pense. Bon bah t'es toujours vivant Chris. Ouais pour l'instant mais je sais pas comment ça se fait. Ah, je vais te donner des petits conseils. Tu peux appuyer sur Tab et mettre Tu vois, tu peux mettre le viseur que tu as mis. Tu le glisses en fait dessus ou tu cliques deux fois dessus. Voilà. T'en as pas besoin de ça. Du coup. Ouais, ouais. Hop. Voilà. Comme ça, tu peux aller très rapidement. L'essentiel. Ouais, en fait, appuie sur. Je sais plus c'est quoi la touche. Je crois que c'est ça. Attends. M. Ouais, voilà. Faut que tu ailles à l'intérieur du cercle. Bon, comme ça on va expliquer un petit peu les règles des Battle Royale, même s'il y en a qui enfin si la plupart des gens connaissent. En fait, voilà, il faut toujours se trouver à l'intérieur d'un cercle de sûreté, sinon tu te fais crever par la zone petit à petit en fait. Bah c'est ça, ok, ouais, c'est la zone de combat en fait. Pardon ? C'est la zone de combat en fait. Ouais c'est ça, la zone de combat, et plus ça va aller, plus elle va se restreindre. Ouais. Et bon pour l'instant t'es toujours vivant. Oui parce que j'ai croisé personne mais quand ça arrive. Ouais et tu m'as fait très peur parce que tu as sauté en fait direct quasiment de l'avion. Ouais. Alors qu'en général ce qu'on fait c'est qu'on attend bien tout le monde. Enfin moi c'est ce que je fais. Ouais. J'attends que tout le monde dégage parce que sinon des fois t'as même pas le temps de te poser au sol que tu te fais déjà farcir comme un pigeon quoi. Ah ouais à ce point là ok, bah tu vois j'ai eu de la chance ou pas. Je sais pas combien vous êtes, je sais pas où je peux voir ça. Ah bah si c'est là-haut, 66 vivants. Vous étiez combien au départ? C'était 80 il a dit non je crois. Ouais normalement c'est 80 ouais. Ouais. Comme quoi je suis pas le plus mauvais du coup. Ouais ça va. Mais je pense que c'est de la chance. T'as pas joué que 15 secondes. Ouais et puis j'ai atterri dans la zone, il y a personne. Ouais tu vois, c'est donc, cool. J'ai réussi à trouver une arme donc j'ai bon espoir, peut-être tuer quelqu'un, c'est pas attention, trop. Ton voisin il a un décor qui ressemble dangereusement au tien. Ouais, on verra bien. Bon là t'es bien, alors en fait les petits conseils c'est aussi de rester souvent tu vois au bord de la zone. Comme ça quand elle va se restreindre, tu vas voir tous ceux qui vont arriver derrière toi. Okay. Mais si tu te mets en plein milieu, ça peut arriver de tous les côtés. Ouais c'est ça voilà ouais. Tu as beaucoup joué toi? Hein? Tu as beaucoup joué? Ouais j'ai pas mal joué moi, j'ai dû y jouer à je crois enfin, quand je dis beaucoup, moi tu sais c'est toujours 20h pour moi c'est beaucoup parce que voilà on est toujours en train de changer de jeu. C'est toujours plus que moi, ça fait à peu près 3 minutes que j'y joue. Oui, donc, c'est ça. J'ai joué à peu près 20h sur PC, à peu près autant sur Xbox One. Ouais. Et bah, c'est marrant parce qu'à force tu développes des stratégies. Alors là vous jouez tout seul mais on peut jouer en escouade aussi, c'est plus sympa. Ouais. Et ouais non j'aime bien ces modes de jeu là moi. C'est vraiment sympa parce qu'au début bah voilà, tu cherches un peu ton équipement. Après plus ça va, plus les zones se restreignent et ça, et puis il y a un petit stress. Monte. Voilà. Un petit stress qui fait que. Le stress qui arrive et c'est toujours sympa quoi. Toute bête, comment tu fais pour viser avec le viseur? J'ai pas entendu. Pour viser avec le viseur, qu'est-ce qu'on toute bête fait comment?
Ah voilà, ok, comme ça, ouais. Faut cliquer deux fois en fait. Ouais, ça y est, ils arrêtent pas de changer par contre dans chaque mise à jour de PUBG. Enfin maintenant ça s'est peut-être calmé, ça fait après, un moment que j'ai peut, plus joué. Ça mais... peut se régler, hein, c'est ce qu'on oui, a oui, fait oui. au départ, hein, mais bon... On avait des joueurs d'ailleurs très exigeants. Ouais, avec, on peut même, hein, tu peux baisser l'écran et tout, c'est... Ouais, genre ils mettent l'écran à l'envers, ouais. Ils jouent avec le clavier par terre. C'est ça voilà, limite c'est limite ça, ouais. Il bah, y en a, ils se prennent vraiment un peu trop au sérieux, on trouve. Ah, mais, bon, ouais, mais bon, après, voilà, c'est la compétition. Il y a son trip, voilà, hein. Voilà, c'est bon, ça. Là, il n'y a rien à gagner. Ouais, bah, je sais pas si. Enfin, on sait pas du tout, je pense pas. Je crois pas. Bah, t'as qu'à finir premier, on verra. Ouais, enfin, ça va être compliqué, je pense. Hein. Si je finis premier, c'est vraiment, il y a ouais, un c'est gros clair, problème. C'est vraiment ouais, un mais... énorme coup de bol. Je pense que c'est pour l'espèce de petite gloire que tu peux en retirer, quoi. Ouais. La zone se réduit, mais je sais pas où c'est, voilà. C'est vrai que pour croiser quelqu'un, faut attendre un petit peu, j'ai l'impression. Donc, pourquoi faut attendre ? Faut attendre un petit peu pour croiser quelqu'un. Enfin, pour l'instant, j'ai ouais, pas. Ouais, les débuts de partie hein, dans un Battle Royale sont souvent très très calmes. C'est rare quand tu tombes sur des gens au départ. Et c'est vraiment voilà, une fois que la zone est toute petite que là ça dégomme. Et mais ça joue vachement la camp. Hein. Ça se voit qu'ils ont envie de rester plus longtemps, d'amortir ouais. leurs 5 heures d'attente. Enfin, c'est 3 heures, je crois. Non, puis en vrai, ça va. C'est parce que c'est un système de tickets sur ce stand. Oui, oui, tu reviens, t'attends pas ouais. Vitam Eternam. Parce que là, tu vois, ça fait 5 minutes qu'on cause. Il y a encore 62 vivants. Alors que ouais. quand je fais des parties à la maison, au bout de 10 minutes de jeu, t'en as plus que 15-20. Quoi. Après, c'est plus long parce qu'il faut chercher, machin truc. Mais c'est pas. Là, ouais. là, on voit que ça campe. Hein. Bah je sais pas du tout, en tout cas moi j'essaie de pas camper parce que bah, c'est pas moi, c'est pas terrible et puis quand moi je m'en fous bah ouais voilà ça, c'est voilà quoi. Et c'est vrai que du coup je croise personne quoi, c'est Là en tout cas tu joues sur la map classique, ouais. Sinon c'est vrai que bah, ces derniers mois ils ont apporté plus de maps. Ils en ont déployé, je crois que c'est deux en tout. Enfin il y en a trois au total. Il me semble qu'ils. Enfin c'est pas il me semble, c'est que je suis sûr. Et je sais pas où ils en sont, il me semble qu'ils voulaient en mettre une hivernale aussi pour bah, du coup les fêtes de fin d'année. Ouais ok d'accord. Et pour Halloween, y'a rien eu, je sais pas Halloween, si t'as un event spécial, c'est la grande mode tous les ans. Alors Fortnite le fait, PUBG le fait. Et voilà quoi. Mais moi personnellement, en termes de Battle Royale, après c'est à vous de voir lequel vous préférez et lequel vous jugez être meilleur. Mais moi je préfère largement PUBG à Fortnite. Pourquoi ? Bah moi je trouve que c'est plus réaliste déjà graphiquement. La direction artistique. Ah, ouais, voilà, j'aime pas. C'est ça qui m'a freiné en fait sur Fortnite. C'est que j'aime pas du tout sa direction artistique à moitié cartoon, à moitié vieille 3D là. Et je trouve que les affrontements, bah là c'est un FPS. Alors que Fortnite faut tout le temps construire. Si tu sais pas construire, t'es une merde quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est... Donc, t'as pas ce tapé là dans PUBG de toute façon. Non, t'es pas ouais. obligé de construire dans Fortnite, mais. Si tu veux vraiment progresser... Je veux dire, dans PUBG, t'as pas cet aspect construction, quoi. Non, y'a rien, y'a pas de construction, c'est tu te caches, tu tires et machin, quoi. Ouais, pour le coup, c'est plus réaliste pour moi, enfin, après. Ouais. Voilà, comme tu dis, c'est une question de goût, quoi. Oui, c'est une question de goût, une question d'habitude, hein, voilà. Ouais, carrément. Après, on accroche ou pas, c'est toujours la même chose. En tout cas, je suis content, je suis pas le dernier, tu vois. Oui, c'est bien, Chris. Félicitations. Incroyable, 56. Tu feras au moins un top 50. Ouais, c'est fou. Bon, je te laisse jouer tranquille et puis on se reparle après. Alors Percy, est-ce que ça se passe bien ? Bah écoute, pas vraiment, j'ai trouvé des armes mais pas de viseur alors... Ah t'as pas de viseur ? Ouais, je suis un petit peu dans la mouise. Et là, je compte me diriger vers l'école. Ouais. Parce que... Oula, alors ça c'est compliqué ça. Ouais. J'ai vu que t'avais remappé quelques touches hein, tout à l'heure. Ouais, parce que j'avais oublié de regarder ma touche pour changer le mode de tir de mon arme. Ah oui, d'accord. Donc jouer en tir unique, c'est pas très 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 simple. Non, c'est clair. Et je sais pas ce que t'en penses d'ailleurs, mais ça campe vachement parce que le nombre de joueurs descend très lentement. Hein. Ouais, là je pense que ça doit camper. Je pense que la plupart des personnes veulent gagner, du coup ils veulent tous rester attention. Top 1 et voilà, c'est vrai c'est que c'est ce que disait l'animateur du stand en bas tout à l'heure. Allez, vous campez pas les mecs, vous allez vous battre et du coup c'est pas du tout le cas quoi. Dans tous les cas... Ça campe comme des puputes. Voilà c'est ça, mais moi je suis pas du tout ce genre de personne parce que je vais à l'affrontement et en général à l'école il y a énormément de monde. Bon, oui. En début de partie, là on n'est pas du tout en début de partie, ça fait un petit moment qu'elle a démarré, mais il se peut qu'il y ait des personnes et surtout il se peut que... Il y a pas mal de loot intéressant à récupérer. Ouais, c'est possible. Donc, là déjà ça tire. Pas sur moi, mais ça tire pas trop trop loin. Donc, je vais faire et on attention. Entend quelque chose dans le casque quand même avec ce boucan qui est à côté. Franchement, ça va. En plus, c'est un casque qui fait 7 points. Du coup, j'arrive ouais. assez facilement à savoir d'où est-ce que ça tire.
Mais c'est vrai qu'avec le bois qui est à côté, c'est assez compliqué de savoir où se trouvent les personnes. Bah, je te laisse jouer tranquille et puis on fera le débrief après. Ouais, ok, merci. T'as fini combien, Percy? Au moins 30e. Combien, 30e? Au moins 30e, ouais. Au moins 30e. Et toi, Chris? 27e. Bien joué! Pour une première, franchement, c'est cool. Alors, t'as trouvé ça comment? En vrai, c'est pas mal, mais malheureusement, j'ai pas pu vraiment participer parce que, si tu veux, j'ai croisé personne. Oui. Et le premier qui m'a croisé, il me tue par derrière de loin, donc... C'est souvent ce qui se passe au début quand t'es pas habitué à jouer. Mais j'ai pu avoir le plaisir de conduire une voiture, tu vois, donc au moins, ça va, j'ai fait quelque chose, tu vois. Après, toi, Percy, t'es mort comment? Par derrière. J'ai, ça faisait 10 minutes que j'entendais quelqu'un autour de moi, du coup j'arrêtais pas de le chercher et il m'a tiré par derrière. Ok. Voilà. Bon bah ça va, performance pas trop mauvaise, ça fait top 30 pour les deux, top 20 pour toi. Bien joué. Voilà. À bientôt tout le monde. A plus.